Salut à tous, c'est Anonymat74 et on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo que je voulais faire depuis un moment mais j'avais la flemme de faire pour présenter le truc là qui dépasse la barre. Donc vous avez vu qu'il y avait Canyon, et ben on va jouer à Storm. Voilà. Donc avec quelques petits mods que j'ai mis au préalable. Donc aussi un truc c'est en fait vous pouvez tirer vers le haut et du coup choisir les boîtes en quelque sorte. Je trouve ça assez marrant. Donc enfin c'est pour regarder un peu les informations. Donc on va cliquer dessus. Alors en fait j'ai eu le jeu pendant 30 jours, alors j'espère que je vais pas me faire troll. Est-ce que je vais me faire troll? Parce qu'en fait j'avais au moment de la bêta j'avais demandé une clé. Du coup ils me l'ont offert pendant deux mois je crois. Ensuite ils me l'ont enlevé. Et là ils me le redonnent pendant 30 jours. Enfin ça fait un moment que ça fait 30 jours, alors du coup j'ai peur de plus l'avoir. Oh, ça va. Bon, alors, question interface, il est pareil que Canyon, donc, mais c'est... donc, comme c'est un jeu de FPS, il est plutôt multijoueur et donc pas de solo. Peut-être, je sais pas, hein, ils feront des maps avec des solos, je sais pas, d'histoire, enfin, un truc comme ça. Pour le fameux éditeur, donc, qui est assez compliqué, donc je sais pas si je vous ferai une vidéo dessus. Le jeu local, apparemment, qui est pas fini, puisqu'on peut pas cliquer dessus. Donc après on peut prendre des skins aussi comme sur Canyon, donc moi j'ai mis Link, moi j'ai mis celui-là aussi comme ça, mais bon Link il a plus qu'un prestige. Ensuite bon après les contrôles, donc vous pouvez jouer au pad mais en fait vous êtes obligé de prendre la souris pour vous diriger à part si vous avez utilisé Xplader, mais j'ai la flemme de le mettre. Donc voilà. Ensuite je vous ai montré déjà pratiquement tout parce que là on peut éditer un replay aussi. D'ailleurs je vous montre en fait. Oula. Oui. Ah non ça c'est rien. Donc en fait comme il me met ce message parce que j'ai un skin différent, donc on va jouer. J'ai baissé la qualité du jeu pour qu'elle soit très rapide, pour que j'ai une qualité de quoi faire. Ça si je dis pas de la merde, déconnez, pardon. Je parle mal, c'est pas bien. C'est de la mêlée générale, on va faire les différents mondes, sachant que ce jeu a de la ressource car on veut créer les maps, et deuxièmement, créer les scripts, donc vous pouvez créer votre mode de jeu, hein. Ils sont téléchargeables certains sur ManiaPlanet, ManiaPark, excusez-moi. Donc après, je crois que c'est comme ça, le truc de votre compte ManiaPlanet fonctionne un peu comme le Battlelog de Battlefield, il me semble. Vous pouvez aller sur le site pour voir vos stats. Alors attendez, j'ai un petit... lag, j'espère qu'on m'entend toujours. En principe, oui. Mais bon. Alors, à mon avis, c'est une bug connexion. Oh, le fail. Le vieux fail. Tac, c'est bon. Alors, synchronisation. Tac, comme dans Assassin's Creed. Voilà, donc vous avez vu que c'est une map. Donc, ça s'appelle Storm. Donc, il fait pas beau. Parce que Storm, c'est l'éclair. Oula. J'ai une sensibilité moisie. Je sais pas ce qui se passe. Ah oui, vous pouvez choisir aussi le pointeur, mais attendez. Je vais juste régler ça parce que... moi on va faire ça, taquer, piquer, appliquer fort. Ah c'est mieux comme ça. Voilà, donc c'est un jeu assez rapide, hein, avec tout simple, hop, on a deux vies chacun. Vous pouvez voir à peu près l'interface en bas. On a quatre tirs qui se rechargent petit à petit. Ouh, j'ai touché. Ah, là je l'ai touché. Donc on a deux vies chacun, donc ça c'est mort. Donc là je me suis mort, et bien fait. Donc là c'est de la mêlée générale, on y va, on tire sur tout ce qu'on voit. Il y a aussi un mode mêlée générale, en fait pas vraiment mêlée générale, mais vous avez une cible prédéfinie par l'ordinateur qui choisit en fait au hasard. Là, c'est un jeu, et vu que vous avez bien vu que les balles ne vont pas bien, ne vont pas vite, c'est un jeu d'anticipation. C'est assez compliqué quand même. Oula.
Il y a moyen de faire des beaux replays hein, si j'enregistre. Oh là là, je suis mauvais là, je sais pas ce que j'ai. Bah, je viens de rentrer de l'école, hein, ça va être pour ça. Ah oui, donc j'ai pas fait de vidéo ce week-end. J'avais pas la forme, que je venais d'acheter un jeu, que je vais vous faire un ce week-end la semaine prochaine. Je n'ai pas super la forme. J'étais un peu démoralisé. Mais... Enfin, pas démoralisé, mais je me comprends en fait. Donc, sachant qu'on est quand même pas mal. Donc, ensuite, donc, question mode de jeu. Il y a plusieurs flingues, en fait, ça dépend de l'environnement où vous êtes. Donc, vous voyez que quand je suis sous terre, j'ai un autre truc. Lance grenade collante, lance placement un peu. Voilà. Donc, il y a moyen de courir, en fait, vous sautez, vous restez appuyé. Ou quand vous êtes en intérieur, vous ne pouvez pas sauter, du coup, vous pouvez rester appuyé sur le truc. Et vous courez. Donc, et après, il y a ça. Donc, c'est comme les accélérateurs sur Canyon, sauf que c'est pour les gens, en fait. C'est marrant. Donc il y a plein de modes de jeu, je vais essayer de vous en montrer le maximum sans des coupures. En fait je crois que je vais baisser un peu la sensible. Oh non, je suis nul, c'était trop simple de l'avoir en plus là. T'es dans une ruelle. On va baisser un petit peu. Voilà, là ça devrait être pas mal. Ouais, c'est un peu mieux. Sachant que j'ai pas beaucoup de place sur le niveau. Oh, ce petit là. On va y aller à la grenade. Ouais, donc il y a une petite astuce. Alors, ces trucs ils ont pas vraiment de gravité. Mais attends, je suis sûr. En même temps, on est une embuscade. L'éditeur est très semblable à celui de Canyon, c'est juste qu'en fait c'est au niveau des scripts que c'est un peu différent. Bon, la personne, on décampe. Graphiquement, hein, ça ressemble beaucoup au jeu Nadeo, hein, toujours, c'est normal. Donc moi je trouve ce qui est pas mal, hein. Là vous voyez je suis en qualité minimum, je trouve que c'est pas mal. Attendez, on est combien? On n'est pas beaucoup en fait. Je vais pas rester faire mon camping là. On va se tailler, tac, on va courir. C'est un jeu rapide quand même. Bon alors, quand vous êtes en équipe par contre c'est un jeu qui fait beaucoup travailler le teamplay. Surtout pour le jeu de la balle. Donc en fait vous avez une balle et il faut simplement aller dans le camp adverse de l'équipe et la poser. Là il y a des tirs, le mec il se fait pas remarquer. Ok d'accord, on va faire un saut de l'armure. Ok il m'a troll. Il m'a vraiment troll. Ok, bon, je suis pourri, je vous ai montré le mode général, je crois que je vais quitter. Bon, on va finir la partie, je pense que je vais faire une assez longue vidéo. Ça va me prendre encore 12 heures d'upload. Une fois j'ai réussi à finir quand même premier, là j'ai fait que 5 kills, enfin 5 points de kill plutôt. Allez à la map suivante, bah oui tiens, comme ça je peux vous montrer une autre map dans le même mode de jeu. Donc je pense que ça va vite faire l'échéance. Ok bon bah du coup mec a gagné. Toujours avec mon pseudo sleeping mode, vous voyez j'ai quand même j'ai gagné beaucoup de points là, hein. 500 c'est pas mal hein, quand même pour moi, 13 072e je suis. Et sachant que le jeu est sorti il y a quelques temps, enfin il est toujours quand même en développement bien sûr, et il coûte 15€, donc vous pouvez y aller, il y a des réductions pour l'instant, et vous pouvez jouer à 35€ pour un pack 3 joueurs, c'est sympathique, moi je trouve que c'est un jeu
rafraîchissant quand même un petit peu comme on dit, mais certains, beaucoup n'aiment pas hein, par contre je connais Dark Moon, je crois qu'il aime pas trop, il est trop à chier même, mais voilà hein, chacun ses goûts, moi j'aime bien, c'est vif, ça change un peu des autres trucs. Rien que pour l'éditing de map, moi ça me plaît. Et l'éditeur de script, mais bon, faut être un peu fort en codage. Même pas, je crois. Je crois qu'il y a quelqu'un, enfin, il y a un mode qui n'est pas de base. Et le mec, il avait créé un mode infection, par exemple. Enfin, il a créé. Il a pris un mode qui existait déjà et il l'a créé dans ce jeu, en fait. Voilà. Tac. Donc les spawns sont bien sûr variables hein, pour chacun des joueurs. T'es mort. Je suis mort. Oh, comme je suis un 2-20. Et non, il n'y avait pas de retard sur la vidéo. Allez, cette fois on se concentre, là on va faire le carnage. Bon, carnage, mais ça c'était un peu traître. C'était qu'un point de vie, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre. Vous connaissez la suite. Non, non, non. Ma tête à côté. Vous pouvez me chier dessus, pas voir mon acte là. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dans les commentaires. Je sais. Oups. Raté. Vite. Donc, sachant qu'en fait, c'est un jeu un peu stratégique, puisqu'il faut garder ses munitions. Oula, j'ai même pas vu comment je me suis fait tuer la première. Bientôt des 50 vidéos, donc je ferai une vidéo spéciale sur ce que j'ai déjà préparé. Ouh, ça c'était du double kill. Enfin, dans le sens où on est mort et je l'ai tué quand même. Donc pour la 50e vidéo, j'ai fait déjà deux remixes à part que je vais mettre en ligne. Donc on arrivera pile. Si le upload. Ouh. Ils ont pas honte. Oh oh. Bon, le mieux c'est quand même d'avoir des amis, hein. C'est assez sympa quand on est des amis, on peut faire des belles actions. Même peut-être des machinima. Hein. Bien essayé. Eh ben tu m'as eu. Non, c'est pas toi. Alors, je fais combien? Troisième, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est la mêlée vraiment ici, là c'est le gros bordel. Oh yeah. Bon, je vais pas passer plus de temps parce que je sens que je vais faire une vidéo que sur la mêlée générale. Oh, ça bouge bien là, j'aime bien. J'aime bien. Tant bouger ce dans le jeu, faut pas rester un point fixe. Aussi d'autres modes avec plus de vie, plus ou moins de vie, avec plus ou moins de recharge. Il y avait le mode élite ou juste que j'avais essayé, je crois. Arcos. Lol, ça me fait penser à ma formule de maths avec le cosinus. Et je te touche. Allez, bon, on va quitter. Même si j'ai fait une bonne partie, tac, parce que sinon, voilà. Alors, tous, qu'est-ce qu'on va faire cette fois? Filtrer le mode de jeu. Bah non, ça c'est pas encore super évolué. On va faire du royal, si je peux. Voilà, à mon avis, il y a du monde. Donc, royal, je crois qu'en fait, c'est un truc. Enfin, je crois que j'aime pas ce mode de jeu, je suis pas sûr. Donc c'est comme de la mêlée générale, sauf qu'il y a quelqu'un qui active un truc, et il y a une espèce de boule en off-zone, donc l'off-zone hors limite, hein, et ça se rapproche vers le milieu, et si vous n'êtes pas au milieu, en fait ça crée une arène, et si vous n'êtes pas au milieu, bah, vous vous faites tuer, tout simplement.
Donc oui, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez le truc, il y a un truc blanc qui se resserre et si vous êtes mort, vous devez attendre la prochaine. Donc voilà, hein, je bouge la caméra. Le truc blanc se resserre, on va voir qui va se faire tuer. D'ailleurs, c'est une belle map, ça je trouve. Assez sympa. Ça se resserre, regardez, il y en a, ils vont se faire broyer. Regardez le rouge, là, le rouge. Ah non, ils se rapprochent tous. Là, ça va être la grosse mêlée pour le coup. Regardez, boum, boum, carnage. Je vais faire quelques parties parce que j'aime pas du tout ce match. Et là, ça se joue au dernier. Et c'est Emalti qui gagne. Voilà, donc c'est tout con, hein, mais c'est une bonne idée des développeurs. Voilà. Ok, c'est parti. Donc le but, c'est quand même d'aller le plus vite possible à Love Zone. Bone. Ouh, c'est une bonne warp zone, ça. Oh non, non, le con. J'ai rien dit. Alors, on va voir si c'est moi. Il faut rester dessus, ça monte. Ok, Jean-Jacques a activé Love Zone. Et maintenant, c'est le bordel. Allez, t'es français, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Le mec. Tu as envie de jouer? Ok, d'ailleurs, je suis mort. Bon, je crois que j'ai gagné un petit peu de points parce que j'ai activé Love Zone. Peut-être même pas, en fait, je vis de la merde. Ah, mais je suis même pas sur cette page. Hein? Ah, ouais. Donc, avec les trucs, on peut changer de caméra, donc apparemment. Ça bouge. Oh, le mec comme il s'est fait buter. C'était assez moche. Il était contreplaqué. Donc voilà, en fait je crois que je vais pas rester plus de temps parce que je crois que ça va m'énerver. Alors attendez, petite coupure. Voilà, vous avez rien vu. C'est bon. Alors, maintenant. On va aller dans tous toujours et on va faire du siège. Donc siège, c'est bien ce que ça veut dire, c'est prendre les points en fait. Vous êtes deux équipes, bleu rouge en général, enfin bien que vous pouvez modifier ça à l'iteur de replay, hein, si vous voulez faire un truc jaune contre vert, bleu contre vert, enfin n'importe quoi, vous le pouvez, faut juste en avoir les compétences. D'ailleurs les vidéos de Trackmania, bon j'ai quelques vues, on va dire à l'échelle de 1. Donc là, vous voyez que en bas, enfin vous voyez pas, mais en bas à droite, il y a marqué sur 8 points à peu près et celui qui gagne peut le capturer par exemple. Donc là, il y a, c'est un 4 normal, j'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Mais aussi, il y a un mode que j'aime bien, c'est en fait un truc genre balle aux prisonniers. Ouais, c'est un peu ça. C'est vous faites toucher, vous êtes dans le camp ennemi. Dans le camp ennemi et du coup dans le camp ennemi j'ai eu un petit bug de ma tête là. Dans le camp ennemi et en fait il faut que quelqu'un active enfin une sorte d'arrivée comme j'ai activé tout à l'heure pour ouvrir le passage de la prison. C'est assez sympa. Donc là par exemple, par contre je crois que suivant vos kills vous pouvez choisir l'arme au début. Donc, si vous avez une bonne bon kill en fait vous pouvez choisir l'arme qui est la plus puissante qui va être en fait. Donc voilà, les trucs qui font des éclairs et qui est assez précise. Donc il y a pratiquement pas le temps de ça c'est tac. Ouais, il reste 20 secondes. Je crois que c'est le mode que j'ai dit, hein, mais je suis pas sûr. Bon, ça c'est juste de la mêlée en équipe avec l'arme qu'on veut. Comme ça. On va voir. Ah, en fait, tant qu'ils sont pas tous morts, et ben. Regardez ce qu'il fait. Il attend que le mec il avance pour le mitrailler. C'est assez cool. Il a quand même foiré son coup. Non, parce que c'était le mec au-dessus qui est où. Alors, on va regarder ce qu'il fait bien. Voilà. Alors je sais pas quand est-ce que je joue, je crois que c'est quand la partie finit, en attendant, est-ce que je peux passer en mode spectateur? Enfin, je suis en mode spectateur, mais... Il a... Ok, le goal peut être maintenant capturé.
J'ai pas trop compris comment ça marche. Voire pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Donc normalement il y a les règles hein, au spawn. Il y a le petit écran. Vous avez vu que sur cette arme on a que deux recharges, hein, parce que bien sûr elle est puissante, mais sur l'autre on a qu'une recharge. Je dirais que la plus avantageuse c'est quand même celle-ci. Enfin, je l'aime bien perso. Juste c'est très lent de tirer, mais on peut se la jouer à retardement justement. On peut tirer et puis après partir et le mec peut, tirer dessus. Enfin exploser. Ça peut exploser. Bon alors attendez, je vais couper, je vais reprendre quand, quand je joue. Donc c'est à moi. Donc c'est parti, alors je choisis l'arme la plus puissante, je sais pas comment ça se fait, j'ai pu la voir. On va jouer intelligemment. J'ai pas envie de faire de la merde. En fait, moi je crois que ma plus grande peur dans la vraie vie c'est... Alors normalement on peut viser en fait quand on sur certaines plateformes. Donc c'est genre un sniper hein, sauf que je peux viser. Exprès, je suis calme hein, parce que je suis en mode tension. Il a klaxonné. Donc j'ai fait de la merde hein, vous voyez, je suis 17ème, c'est con. C'est honteux. Ok, bon, alors. Ah oui, d'accord, en fait, oui, je viens de comprendre. C'est donc voilà que je peux choisir mon arbre, je vais prendre la nucléus, je préfère. En fait, c'est petit à petit, on prend les trucs et celui qui arrive à prendre, il a gagné. Et celui qui la perd, ben. Ok, c'était juste lamentable. Bon bah, je suis bon pour attendre un petit peu. Vous avez compris le principe, je vais changer. Tac, parce que je vais vous montrer le maximum de jeux possibles. Alors ensuite, oups. Donc, les vieux cons, rôle de serveur. Donc on va faire du battle, je sais pas à quoi ça correspond, on va bien voir. Sachant que vous pouvez créer votre propre petit serveur avec vos maps, ça peut être marrant. Voilà, pour inviter des gens, tout ça. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Ça prend du temps à uploader. Alors ça, par exemple, alors moi c'est ça que j'appelle siège en fait. Mais ça, donc c'est de la prise de points. D'ailleurs, putain, c'est monde. Et on est beaucoup. Donc c'est la capture de points. Et en fait il y a. D'ailleurs j'ai déjà joué sur le PC. Chacun, bon je crois là il y a 5 points et puis on doit défendre les nôtres, donc on reste dans notre camp. Et la map est assez bien illustrée par la rivière au milieu qui sépare les deux camps. Ça c'est sympa. Oh,
mec, c'est pas péjoratif, ça s'appelle Kevin. Et je sais même pas comment j'ai fait pour pas me faire toucher encore une fois, bah, tellement les balles elles me frôlent. Ah, raté. Si j'arrive. Oh non, dégoûté. Donc vous voyez que les pourcents du bleu montent parce que je, comme un débile, j'ai réussi à me faire prendre le point. C'est tout con. Tac. Oups. Et tant qu'on n'a pas défendu pendant 30 secondes, et ben c'est toujours à eux d'attaquer. Enfin, j'ai pas de recharge. Donc pas moyen de reprendre les points pris. Hein. Allez. Oh, putain, je vais recharger un peu là. Oh, ça c'était bien ça. C'était genre en mode assaut. Ok, c'était foisy. C'était complètement pourri. Allez, faut tenir 4 secondes. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Allez, c'est parti, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque. Il faut vite aller vers leur point avant. Donc en fait, là on y va en mode. Gaston Dreyfus. Même si je sais pas qui c'est. Donc, ça me fait mal à dire. Voilà, donc c'était un cas complètement foisy. Le mieux, je crois qu'en fait je vais contourner. Je vais jouer à la discret. Vite, faut défendre déjà. Ok, d'accord. Bon. Ok. Bon, je m'en fous de me faire tuer, hein. C'est pour. Je fonce dans le tas, je suis malade mental. Ok, mais c'est bon. Hein. Des fois, ma corde, putain, je sais pas comment ça s'enchaîne. Là, manifestement, ils ont. On a gagné. Excusez-moi, en fait. Les bonhommes avaient fait du bon boulot. Enfin, avant que j'arrive. Et je crois que j'ai fait que les gêner. C'est assez. Regrettable d'ailleurs. Alors, on va voir combien. Mais troll-moi pendant qu'il y est. D'accord, mais on n'a pas gagné le point. Pas de point. Je sais pas. Allez, cette fois on va gagner parce que je suis. Mec. Ici, ici. C'est pas un problème. Ah! Putain, je me bavais. Bien ici. Je crois qu'il m'a. Ah, échappatoire. Oh non. Je voulais essayer de contourner comme ça, tu sais, quand on devait attaquer, bah. Je serais là. Mais non, ça sert à rien. De toute façon, hop, 10 secondes d'attendre. Team balance bah, si tu veux, mais je vote pas. Je vais en action. Tu vas crever, toi? Je l'ai eu en plus. Ouais, merci.